بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فخير سورة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et bienvenue au cours d'aujourd'hui dans lequel on va traiter d'un sujet qui est extrêmement important même s'il est il peut paraître comme étant un sujet qui est de base mais qui répond à une question qui est extrêmement importante, si ce n'est pas la question la plus importante qu'on devrait se poser parfois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets qui nous renseignent en quelque sorte de la même information, dont par exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, « Inna ad-dina 'indallahi al-Islam » Certes, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire la seule religion, la seule et unique vraie religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion de Al-Islam. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَا الْخَاسِرِينَ Tout celui qui adopte autre que l'islam en tant que religion, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Ce ne sera pas accepté de lui et le jour du jugement, il va faire partie du nombre des perdants. Il va être dans la perte وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى Donc, ces deux versets ainsi que plusieurs autres versets nous indiquent que la seule religion que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte, c'est la religion de l'islam et alhamdoulilah qui a fait de nous des musulmans et des muslimis. Mais c'est important de comprendre c'est quoi l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi cette religion de l'islam? Et pourquoi est-ce que la religion de l'islam, c'est la seule religion que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte? Première chose, on a des personnes, quelqu'un pourrait nous poser la question et nous dire Mais si l'islam est venu avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'en est-il de toutes les générations, les centaines, peut-être les milliers de générations qui étaient là avant le prophète alayhi salatu wassalam, les apôtres et les suiveurs des autres prophètes, des autres messagers, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leur pratique? On va dire ce que plusieurs musulmans ignorent, c'est que la religion de tous les prophètes et de tous les messagers est l'islam. La seule religion et l'unique religion que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée depuis la venue de Adam alayhi salam, c'est la religion de l'islam. On va voir ça du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Al-Qur'an al-Karim. Si on va faire une analyse de la question de l'islam dans Al-Qur'an al-Karim, ça va tout nous indiquer. Regardez par exemple, Nuh alayhi salam, Noé, qui est le premier messager, awwal rasoul, awwal nabi, c'est Adam alayhi salam. Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam. Le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran al-Karim que Nuh alayhi salam il a dit in ajriya illa ala Allahi wa umirtu an akuna min al-muslimin. J'ai été ordonné de d'être du nombre des musulmans, de faire partie des al-muslimin, ceux qui adoptent la religion de l'islam. Regardons Ibrahim alayhi salam, comme on l'appelle Abu al-Anbiya, ainsi que Ismaïl alayhi salam, le fils de Ibrahim, donc le fils et son père ici, alayhima as-salam. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Ils ont fait un dua, comme c'est mentionné dans le Coran al-Karim, ils ont dit « Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka » Ils ont dit « Oh Allah, fais de nous des musulmans, ainsi que de notre descendance une communauté qui va être une communauté musulmane qui adore Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. » Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle d'Ibrahim, alayhi salam, tout seul, Abraham. « Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin » Ibrahim, alayhi salam, n'était ni chrétien ni juif, mais il était. « Walakin kana » Hanifan, al-hanif, ça veut dire celui qui laisse tomber toutes les religions à part le tawhid et le monothéisme d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ay al-ma'ilu mina ash-shirki ila tawhid illahi azza wa jal. Walakin kana hanifan musliman. Et il était un musulman wa ma kana mina al-mushrikin. Il ne faisait pas partie des mushrikin. Parce que même du point de vue historique,
n'est-ce pas, même du point de vue historique, du point de vue historique, si les chrétiens reviennent à Jésus, Isa alayhi salam, et disent que leur religion vient de Isa alayhi salam et de sa venue historiquement, et si les juifs disent que leur religion vient de Moussa alayhi salam de façon qui est historique, alors comment est-ce que Ibrahim alayhi salam, qui était là avant Jésus et avant Moussa alayhi salam, peut être un juif ou bien un chrétien? C'est purement impossible, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle aussi de ça dans le Coran. Al-Karim. يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون n'est-ce pas التوراة ainsi que l'Injil ont été révélés après la venue de Ibrahim alayhi as-salam. Regardez ici Lot, le prophète Lot alayhi as-salam, qui a vécu aussi lors du temps de Ibrahim alayhi as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit quand il a sauvé Lot alayhi as-salam ainsi que sa petite famille de ceux qui ont cru avec lui, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, de toute cette qaria, de tout le village qui faisait al-khaba'ith, al-fawahish, wal-iyadu billah, on a fait sortir les croyants, on a trouvé qu'un seul foyer de musulmans. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ça veut dire le foyer et la petite famille de Lot alayhi salam, bien sûr, à part ça, femme, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran al-Karim. Un peu plus par la suite dans l'histoire, on va arriver lors du temps de Pharaon, l'ennemi de Moussa alayhi salam. Regardez Saharatu Pharaon, les magiciens, n'est-ce pas, qui se sont opposés à Pharaon et ils ont commencé à changer leur religion et se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru au message de Moussa alayhi salam. Pharaon a commencé à les menacer de torture, de peine, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un dua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Ils ont dit, oh Allah, accorde-nous la patience et la persévérance et fais en sorte qu'on va mourir en tant que muslimin, ça veut dire en tant que musulman. Moussa alayhi salam lui-même, il parle avec son peuple, avec Banu Israël, en les invitant à adopter la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa qala Moussa, ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Moussa alayhi salam, il dit à son peuple, oh mon peuple, si vous croyez vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, alors en lui ayez confiance si vous êtes des musulmans. Ça veut dire si vous êtes des vrais musulmans qui adoptent la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Regardons avec Balqis, la reine de Saba. Ça veut dire la reine de Saba qui s'est convertie au monothéisme. Avant ça, elle était du nombre des polythéistes. Elle, en quelque sorte, elle se prosternait auprès du soleil, etc. Après ça, elle a suivi Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman alayhi salam, et elle est entrée dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Sulayman alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle s'est convertie à l'islam, quand elle a fait sa conversion à la religion du monothéisme, la religion du prophète Sulayman alayhi salam? قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين. Elle a dit, oh Allah, inni zalamtu nafsi, j'ai été injuste envers moi-même, et aslamtu, je suis musulmane avec Sulayman alayhi assalam, pour le Seigneur des univers, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Yusuf alayhi salam, le prophète Joseph, qu'est-ce qu'il a dit dans son dua? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Il a dit, oh Allah, fais en sorte que je meure en tant que musulman et prends-moi en quelque sorte et fais en sorte que je vais rejoindre as-salihin, ça veut dire les gens pieux auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, regardez tous les grands prophètes d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala et ceux qu'on ne connaît pas, comme on le sait, il y a 124 000 prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés. Ça, c'est ceux qu'on connaît, quelques-uns. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de eux dans le Coran al-Karim. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. N'est-ce pas? Les apôtres, ça veut dire al-Hawariyin. Ils ont dit à Isa alayhi salam, amanna billah, on croit en Allah, washhad, et témoigne que nous faisons partie des musulmans. Ça veut dire témoigne qu'on est entré dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc comme vous pouvez le constater ici, tous les prophètes et les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés, et tous les croyants depuis le temps de Adam alayhi salam,
ont été sur la religion de l'islam, qui est la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, que veut dire l'islam? Et pourquoi est-ce que l'islam, c'est la seule religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Pourquoi est-ce que cette religion est si importante que ça? Encore une fois, c'est très choquant de constater qu'il y a plusieurs musulmans qui ne connaissent pas c'est quoi le sens de l'islam, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, par exemple, l'islam, ça vient de salam, qui est la paix, ça n'a rien à voir, ni linguistiquement, ni dans le sens en tant que tel, n'est-ce pas? L'islam, il y a des choses dans l'islam, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prennent la paix, wallahu ta'ala huwa salam, wallahu yad'u ila daris salam, mais ça, c'est un aspect, mais l'islam, c'est beaucoup plus global que le simple concept de la paix, et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour créer une organisation de en quelque sorte d'activistes pacifistes, n'est-ce pas? C'est pas ça le but de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus important que ça. L'islam, c'est une chose pour les deux mondes, première chose, et c'est une chose qui est reliée au droit d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Le sens de l'islam, très simplement, c'est la soumission. La soumission à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ça vient de l'islam, ça veut dire l'istislam, aslama, et ça, on peut le trouver dans plusieurs versets. Par exemple, ce verset, ce très beau verset du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire l'islam, et qui nous donne en quelque sorte, si on pourrait mettre ça juste entre guillemets, je ne veux pas utiliser le mot en tant que tel, ce n'est pas pour utiliser le mot, j'utilise plus au sens en quelque sorte de la métaphore, n'est-ce pas, pour expliquer aux gens, parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas très bien, sauf avec ce genre d'expression, c'est pour expliquer en quelque sorte la philosophie derrière l'islam. Pourquoi est-ce qu'on se soumet à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ » Il nous dit, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ Vont-ils adopter, veulent-ils adopter autre que la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Remarquez ici, en arabe, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ Et avant ça, on a mentionné, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Donc, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ Veulent-ils adopter autre chose que la religion d'Allah qui est l'islam, encore une fois? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ça c'est illogique. Tout celui qui prend autre que la religion de l'islam, c'est illogique. Pourquoi c'est illogique? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا Alors que c'est à lui, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, que les créatures des cieux ainsi que de la terre se sont soumises à lui subhanahu wa tabaraka wa ta'ala par volonté ou par contrainte. Par volonté ou par contrainte. Par volonté, ça veut dire les gens qui viennent au masjid, ils veulent se prosterner à Allah, ce qu'on appelle al-muslimoun, al-mu'minoun, n'est-ce pas? Eux, ils ont dit, nous, on veut volontairement se soumettre à Allah, on va se prosterner, etc. Wa karhan, contrainte, ça c'est celui qui te dit, moi je refuse de me soumettre à Dieu, je refuse le concept de religion, je veux être libre, etc., etc., etc. Cette personne-là ne réalise pas que le concept de liberté absolue, c'est un concept qui est purement théorique, qui n'existe pas dans la réalité et qui ne peut jamais exister et qui n'a jamais existé, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a personne qui est à 100% libre dans tout ce qu'il veut. La première chose, c'est que la personne, vous savez tous que même si quelqu'un va dire « moi je veux être libre » et il va avoir en quelque sorte les garanties de tout, de toutes les instances de défense de liberté dans le monde, de tous les puissants de ce monde, etc., etc., etc. On va lui donner les garanties, les assurances, la défense en quelque sorte, etc. Il reste un être humain que quand il sort le matin de sa maison, quand il se réveille le matin, il ne pourra jamais savoir qu'est-ce qui va se passer cette journée-là, n'est-ce pas? Tu sors dehors, soit qu'il neige, ou bien qu'il y a la pluie, ou bien que ce sera le soleil, il va faire chaud, il va faire froid. Et tout ça, ça va avoir nécessairement un impact sur ta vie. Sur la façon dont tu vas te vêtir, la façon dont tu vas te comporter, n'est-ce pas? Tu sors, il va y avoir de la neige, et à cause de ça, le trafic sera retardé, tu seras en retard, etc. Tu ne peux jamais pleinement contrôler ta vie. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكَرْهَا » n'est-ce pas? Même quand tu respires, celui qui dit « moi, je ne veux pas me soumettre à Dieu, etc., je veux être libre », quand tu respires, ton cœur est en train de battre par contrainte, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire à ton cœur « arrête de battre pour quelques secondes, après ça reprend », n'est-ce pas?
Tu ne peux rien faire. Tu es en train de respirer bi qadar Allah azza wa jal. Le sang qui coule dans tes veines, il est par le qadar d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Quand tu vas avoir faim, tu vas avoir faim, tu es contraint à avoir faim. Tu ne peux pas dire je vais repousser ma faim et je vais y penser demain, etc. Quand tu vas avoir faim, tu vas avoir faim. Encore pire que ça, il n'y a personne et on défie tous les êtres humains sur cette terre d'aller chercher dans les histoires des milliards d'êtres humains, de nous trouver un seul être humain qui a fait le choix d'exister, qui a fait le choix de naître, qui a même, trouvez-nous, un seul être humain qui a choisi son prénom quand il était né. Sans parler d'un être humain qui a choisi ses parents, son lieu de naissance, sa race, son ethnie, etc. Il n'y a personne. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui a eu cette possibilité que le jour où il est né, il y a quelqu'un qui lui a demandé « Est-ce que tu veux exister dans ce monde? Tu ne veux pas exister? Et si tu veux exister, tu vas avoir quelle couleur de peau? Tu veux naître où? N'est-ce pas? C'est quoi ton prénom que tu préfères ?» Il n'y a personne qui a eu une telle opportunité, une telle possibilité, parce que c'est tout ça ce qu'on appelle « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا » et de façon qui est contrainte, « وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » le jour du jugement, ils vont tous revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tous les êtres humains vont revenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, là ça va être la soumission qui est absolue et totale. Il n'y a personne qui va oser dire à Allah « moi je refuse, moi telle chose ». Encore une fois, ça va revenir à une soumission qui est absolue. Donc là, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Le musulman, il va savoir que moi, puisque je suis soumis par contrainte et je n'ai d'autre choix que d'être soumis à la volonté divine, alors je préfère me soumettre pour l'autre moitié qui est en quelque sorte le choix libre que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné dans ce bas monde de choisir entre la mécréance et entre la foi pour faire partie des gens qui vont entrer au paradis et pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala et le rida d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc quand on parle de l'islam, mes chers frères et sœurs, en islam, l'islam, le sens de l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de se soumettre à un système de valeurs, de pratiques, de règles, de choix que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à nous à travers ses prophètes et ses messagers alayhim salatu wa salam. Chaque être humain sur cette terre vit selon un système. Il y a toujours un système qui t'est imposé. Là où tu vas, au travail, à l'école, dans ta vie, dans ton pays, etc. Il y a toujours des systèmes qui te sont imposés. Il y a le système qui est suprême, qui est le système d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il t'a dit, moi je t'impose ce système, pas seulement pour te l'imposer comme ça, mais première chose, pour que tu sois éprouvé et testé, pour que je vais te récompenser pour ton adhésion à ce système le jour du jugement de façon qui est éternelle. Et en plus de ça, ce système-là est le meilleur pour toi. Et le meilleur choix pour toi dans ce bas monde ainsi que dans l'akhirah auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et c'est un système de miséricorde avant tout. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan » للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. Donc ce système là qui a été révélé à travers les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam, on a eu plusieurs systèmes et le dernier système c'est le système de qui a été révélé à notre cher prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qui est le dernier et le sceau des prophète, comme dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, il a dit alayhi salatu wassalam, wa innahu la nabiyya ba'di, et il n'y aura aucun prophète après moi, ça veut dire je suis le dernier prophète d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, dans le hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Ahmed. Écoutez bien ce hadith est très important parce que il nous renseigne sur la vraie valeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfois on a tendance à, vous savez, les gens ils vont te dire « Ah, c'est une sunna, ça c'est pas dans le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, il le faisait, c'est juste une sunna du prophète, etc. » Les gens ne réalisent pas à quel degré est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, son importance, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, que lui, il ne dit pas par arrogance ni par fierté. « Hachahu alayhi salatu wassalam an dhalik » Mais il nous dit ces paroles-là parce qu'il est un prophète et il a l'obligation de nous passer ce message, de nous donner cette information. Il dit, alayhi salatu wassalam, « Walladhi nafsi biyadi » par celui qui détient mon âme, ça veut dire par Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. « Law anna Musa sallallahu alayhi wa sallam kana hayyan
ما وسعه إلا أن يتبعني. Il a dit alayhi salatu wasalam, par Allah, si Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, était vivant aujourd'hui, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Même Moussa alayhi salam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a reçu la Taurat, etc., etc., s'il était devant le prophète alayhi salatu wasalam et vivant lors de son temps, ça y est, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un nouveau prophète, tu dois suivre le nouveau prophète. Pas pour Muhammad alayhi salatu wasalam en tant que personne, non, mais c'est pas pour le message que lui, il est en train de transmettre, n'est-ce pas? Walillahi ta'ala al-mathalul a'la. Si tu as mettons un vice-président qui vient te dire tu dois faire telle chose et telle chose et telle chose, le vice-président de ta compagnie, quelques jours plus tard, il y a un nouveau vice-président qui te dit « Ah, moi j'ai été envoyé avec un nouvel ordre, etc. » Tu vas dire « Le premier, je l'oublie, on va tous suivre le nouveau parce que c'est le président qui décide. » Walillahi ta'ala al-mathalu al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le meilleur exemple. Donc le prophète alayhi salatu wasalam a été envoyé pour qu'on se soumette à sa voix parce que ce n'est pas lui qui a inventé cette voix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé cette voix de vivre. Alayhi as-salatu wa as-salam. Tayyib. Quelqu'un pourrait nous poser une question maintenant. Si on dit que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers, c'est la même religion. Mais en même temps, on dit qu'il y a plusieurs livres et qu'il y a un message qui va abroger l'autre et qui va faire le nasr, etc., etc., etc. Comment comprendre ces deux concepts-là en même temps? Ça veut dire comment est-ce que tous les messagers ont eu une seule religion qui est l'islam, alors que la religion, parfois, elle est différente d'un prophète à un autre. Qui pourrait nous apporter la réponse à cette question-là? La différence des messages. Mais si on dit en même temps que tous leurs messages, c'est l'islam. On va répéter la question. Si on dit que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une seule, l'islam, elle est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers, comment est-ce qu'on peut expliquer maintenant qu'en même temps on dit que il y a certaines choses qui sont différentes d'un prophète et d'un messager dans leur pratique? C'est parce que les prophètes, avant, c'est bien Mohammed. Allez, salat à tous. Les prophètes venaient pour leur propre commun, pour leur propre communauté, alors que Mohammed. Ça, on est d'accord. Allez, salat à tous. On est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle encore la même religion? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la même religion? On l'appelle quand même l'islam. On vient de dire que tous leurs religions étaient l'islam. C'est toujours le même message. C'est ça, c'est parce que le message principal, l'idée principale, c'est toujours l'idée de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'idée de tawhid, du monothéisme d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est le point central du message, n'est-ce pas? Tous les messages sont d'accord sur ça. Et tous les messages sont d'accord sur les grands sujets, n'est-ce pas? Comme par exemple, les savants ils disent par exemple, tout ce qui est mahasinul akhlaq, les bonnes choses à faire, les mauvaises choses à ne pas faire, etc. Tout ça, c'est commun entre toutes les religions. Tous les messages d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala et toutes les législations révélées aux prophètes et aux messagers alayhi salatu wassalam ont toutes interdit l'alcool, ont toutes interdit le porc, ont toutes interdit le vol, n'est-ce pas? Zina wal iyadu billah, etc. Tout ça, c'est interdit. Al-kaba'ir, etc. C'est interdit dans toutes les religion des prophètes et des messagers dans leur message, parce que ça revient au centre en tant que tel du message, ça veut dire le noyau du message. Subhanallah, même par exemple les chrétiens de nos jours, même avec la Bible qui est modifiée, altérée, etc., etc., les gens qui sont spécialistes dans ça, ils font quelques recherches, tu vas trouver que dans la Bible, ça te parle que l'alcool, c'est pas bien, que le porc, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Il y a même, une fois, j'étais en train de lire certains passages de la Bible, subhanallah, qui parle du niqab, n'est-ce pas, de la femme qui doit se couvrir le visage, etc. Ça, c'est la Bible qui est de nos jours, celle qui est altérée. On ne parle pas de ce qui était lors du temps de Isa, alayhi salam, etc. Vous voyez, donc, tu ne peux pas ignorer cet aspect commun de tous les messages d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous l'explique dans le hadith qui est authentique. Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit? نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد. Il dit عليه الصلاة والسلام. Nous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes les fils de علات. Qu'est-ce que ça veut dire les fils de علات? C'est quoi ça علات? C'est différentes épouses d'un seul homme, n'est-ce pas?
c'est ce qu'on appelle al-allat. Ça veut dire, c'est comme imaginer par exemple un homme qui a deux femmes en même temps, ou bien qui a eu deux femmes parce qu'il a divorcé la première, il a épousé la deuxième, ou bien la première est morte, il a épousé une deuxième, etc. Ce n'est pas important les détails, mais il a eu des enfants d'une femme et des enfants d'une autre femme. Ces enfants-là sont frères, n'est-ce pas? Ils sont des frères et des sœurs par le père. Pas de façon qui est complète, mais de façon qui est parentale par leur père. Ils ont un père qui est commun. Donc le prophète, alayhissalam, il dit que nous, les prophètes et les messagers, c'est comme si on était tous des frères de mères différentes, mais notre père, il est le même, qui est dîn ou la wahid, qui est le dîn de at-tawhid, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est at-tawhid, la soumission à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ainsi que le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, ils ont dit que al-allat, ici, l'exemple et la métaphore des mères différentes, c'est comme ta'addudu al-shara'i', c'est les législations, les détails des législations, etc., qui peuvent être différentes, mais tout revient au même père, ça veut dire qui est la soumission à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc ça, mes chers frères et sœurs, c'est la bonne compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le vrai sens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la soumission à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Malheureusement, maintenant, on trouve des gens qui ont une mauvaise compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui pensent, ils te disent, oui, moi je suis musulman, mais pour lui, être musulman, c'est une culture. C'est comme une fois, j'étais en train de regarder comme ça à la télé ou bien sur internet, je ne me rappelle plus, il y avait un documentaire sur l'islam, etc., sur le voile. Alors là, ils ont commencé à questionner des sœurs qui portent le voile. Alors il y a une sœur, on lui a dit, pourquoi tu portes le voile? Elle a dit, parce que ça, ça fait partie de ma culture arabe. J'ai dit, on a un gros problème ici. Si tu ne comprends même pas pourquoi tu portes le voile, il y a un sérieux problème. Les gens ont un problème dans leur aqidah, dans leur compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On pense que l'islam, c'est la religion des Arabes, n'est-ce pas? Au mieux, il y en a ceux qui pensent que l'islam, c'est la religion de al-mashariqa, de ceux qui viennent des pays de l'Orient. C'est pour ça, vous voyez, subhanallah. Et ça, c'est bien et pas bien. Vous voyez, c'est bien et c'est pas bien. Que, ça veut dire ce que je vais mentionner maintenant. Il y a un point qui est très sensible, qu'il y a beaucoup de personnes, surtout ceux qui vivent dans les pays orientaux, ceux qui ne vivent pas, ceux qui vivent en Occident, après quelque temps, ils vont s'habituer à ça, n'est-ce pas? Ils sont émus et c'est un grand moment pour eux quand quelqu'un, une personne occidentale par exemple, va se convertir à l'islam. Pas parce que quelqu'un s'est converti à l'islam. Ça, c'est bien, le fait qu'on soit content que Allah subhanahu wa ta'ala vient de sauver quelqu'un vers le droit chemin, etc. On doit être content pour ça. Mais malheureusement, tu trouves parfois que les gens, ils sont émus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Que comme une personne, quelqu'un qui n'est pas un arabe, etc., il se convertit, c'est une grande chose, n'est-ce pas? Alors que ça, c'est comme on a dit, ça, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant Muhammad, alayhi salatu wasalam, et avant Quraysh, et avant, il y avait des peuples qui ont parlé toutes les langues et qui étaient des musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadir, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, toute communauté de l'histoire humaine, sauf qu'elle a reçu un nadir, un avertisseur, un prophète ou bien un messager, wa ma arsalna min nabiyin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, chaque prophète il parlait la langue de son peuple. Donc toutes les langues qui ont existé à travers l'histoire, presque toutes, avant le temps du prophète, alayhi salatu wasalam, il y avait des prophètes qui parlaient ces langues-là et qui invitaient au tawhid, qui invitaient à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas besoin d'avoir, c'est pas parce que tes yeux ne sont pas verts ou bien bleus, etc., n'est-ce pas, que tu es un peu brun, que toi tu es musulman. Ce n'est pas ça la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas aussi une chose qui se prend par héritage. Être musulman, ce n'est pas parce que je suis né musulman, parce que moi, mon nom, c'est Abdullah, Muhammad. Je peux être appelé Muhammad, Abdullah, Ibn Abdurrahman, etc., etc. Et auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je vais aller en enfer parce que je ne suis pas sur la vraie religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas soumis à Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Regardez, et ça, subhanallah, vous trouvez beaucoup ça, les gens qui te disent, parfois tu vas entendre quelqu'un qui te dit, moi, oui, mais c'est parce que moi, je viens d'un pays, mashallah, moi, mon peuple, nous, on est très pratiquants, nous, dans notre religion. Donc, parce que lui, son peuple, ils sont très religieux, ça veut dire que lui, il est en quelque sorte garanti, il a en quelque sorte la garantie d'être dans le salut auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou bien celui qui te dit... Même dans sa maison.
Hein? Sa maison, c'est ça. Moi, mon père, c'était un grand savant. Moi, mon grand-père, il connaissait le Coran par cœur. C'est comme ça, il a pris le ticket vers, mashallah, vers le paradis. Alors que ce n'est pas ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se prend pas par héritage. Chaque personne, kullu nafsin bima kasabat rahina. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, chacun va être jugé. Ça veut dire, quelqu'un qui est rahin, c'est comme quelqu'un qui est pris en otage, n'est-ce pas? Tu es pris en otage par tes propres actions. Il n'y a personne qui va te sauver à part tes propres actions. Après la miséricorde d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Ahlul Kitab, par exemple, dans le Coran al-Karim, ils ont des prétentions, des rêves, n'est-ce pas? Ils vivent dans le leur. Que nous, parce qu'on vient de... on suit Jésus, ou bien on aime Jésus, ou bien on aime Moïse, ou bien d'autres prophètes, ça veut dire qu'on va accéder au paradis. Ce n'est pas aussi simple que ça. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Qul falima yu'adhibukum bidunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Vous êtes seulement des êtres humains que Allah subhanahu wa ta'ala a créés et il y a juste des actions qui vont te sauver auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et dans l'autre verset, dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Les gens qui ont prétendu, des gens du livre, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala va nous punir juste un peu dans l'enfer et après ça c'est fini. وغرهم في دينهم, ils sont dans le leur, al-ghurur. Pourquoi? ما كانوا يفترون, ce qu'ils ont inventé. Ils essaient parfois, tu sais, tu fais des choses qui sont mauvaises, tu ne veux pas être sur la droiture, tu vas essayer de t'inventer des fausses. Des faux espoirs, n'est-ce pas? Des faux rêves. Tu vas dire, ah oui, mais moi je suis le fils de tel, etc. Donc, n'est-ce pas? Moi j'ai déjà porté le turban de l'Azhar, n'est-ce pas? Moi je suis le fils du grand mufti, etc. Moi je connais telle personne qui est impieux, je vais le voir parfois comme ça. Tout ça, ça ne te sauve pas auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Même le fait d'être un proche du prophète alayhi salatu wa salam. Les gens, il y a des gens qui disent, moi je viens de la descendance du prophète alayhi salatu wa salam, il va mettre ça partout, etc. Ça ne peut te porter support que si tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu suis la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Celui qui est sur la voie du prophète alayhi salatu wasalam, qui le suit, qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wasalam, il a demandé de faire, et qu'en plus de ça, il fait partie de la descendance du prophète alayhi salatu wasalam, alors là, nourun ala nour, n'est-ce pas, cette personne-là va se distinguer parce que le prophète alayhi salatu wasalam nous a parlé des en quelque sorte des vertus de Ahlul Bayt, n'est-ce pas, la famille du prophète alayhi salatu wasalam, ses proches, etc., mais seulement ceux qui ont suivi ça. Vois, pas n'importe quelle personne qui va mécroire en Allah, qui va faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Il va, en quelque sorte, par la suite, il va prétendre que moi, je viens de la descendance du prophète, alayhi salatu wasalam, ça va me sauver. Il n'y a personne qui va te sauver. Regardez Ibrahim, alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, « قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا » Je vais faire de toi un imam, un grand, en quelque sorte, un repère pour les gens, n'est-ce pas? Un modèle pour les gens, tu es un prophète d'Allah, etc. Alors, Ibrahim, alayhi salam, il veut prendre l'opportunité. Il a dit, « وَمِنْ ذُرِّيَّتِي » قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي » Il a dit, « Oh Allah, et ma descendance aussi, je veux avoir le même privilège, que ça passe. » Alors, Allah a dit, « قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » Allah a dit, « Non. » الظالمين, les injustes ne vont pas prendre mon ahd. Ça veut dire toute cette honneur que je le donne. Oui, ça va passer à ta descendance, mais ceux qui ne sont pas des injustes. Si Ibrahim alayhi salam n'a pas pu, en quelque sorte, faire hériter et donner l'héritage de sa religion et de sa foi, n'est-ce pas, et de ce privilège de sa position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui, après Ibrahim alayhi salam, pourrait faire la même chose? Regardez le prophète alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce qu'on lit? C'est quoi? Il y a une personne que on parle de lui à chaque fois, on le critique quand on lit notre Coran, même les petits enfants. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, n'est-ce pas? Même les petits enfants, ils lisent à chaque fois Tabbat yada Abi Lahab. Juste imaginez, subhanallah, de calculer combien de milliards de fois Tabbat yada Abi Lahab wa tab a été récité depuis le temps du prophète alayhi salatu wasalam. C'est qui Abu Lahab?
c'est l'oncle du prophète alayhi salatu wa salam. Regardez quand Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé au prophète alayhi salatu wa salam. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wa salam, wa andhir 'ashiratuka al-aqrabin. Commence par avertir ceux qui sont les plus proches de toi, ta famille, etc. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, il est monté sur la montagne directement, il a commencé à parler à ses proches. Telle personne, sauve-toi de l'enfer. Telle personne, sauve-toi de l'enfer. Et après ça, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wa salam? Wa ya safiyatu ammat rasulillah la ughni anki min Allah shay'an. Ya safiya, la tante du prophète alayhi salatu wa salam. Il lui dit, ya safiya, tu es ma tante, mais je n'y peux rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire sauve ta peau de l'enfer, n'est-ce pas? Sauve-toi de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pire que ça, après ça, ya fatimatu bint Muhammadin salini ma shi'ti min mali la ughni anki min Allah shay'an. Il a dit alayhi salatu wasalam, ya Fatima, c'est dans Sahih Bukhari ainsi que Sahih Muslim. Il disait alayhi salatu wasalam, ya Fatima, la fille du prophète, ma propre fille, salini ma shi'ti min mali, demande-moi ce que tu veux de mon argent, je vais te le donner. Si tu veux mon argent, ma fortune, tu es ma fille, je vais tout te donner. Mais la ughni anki min Allah shay'an. Je n'y peux rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va nous dire, mais il y a la shafa'a du prophète alayhi salatu wasalam, son intercession, etc. Oui, mais tout ça c'est après que tu sois sur sa voie alayhi salatu wasalam, tes erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être t'accorder la shafa'a du prophète alayhi salatu wasalam. C'est pas le prophète alayhi salatu wasalam lui-même qui décide de donner la shafa'a à celui qui veut, non. Wa la yashfa'una illa liman irtada, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Al-Qur'an al-Karim, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Regardez ce compagnon qui s'appelle Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, comme dans Sahih Muslim. Il est venu chez le prophète alayhi salatu wa salam. Alors il veut prendre une petite opportunité comme ça, demander quelque chose au prophète alayhi salatu wa salam. Nous, si on était avec le prophète alayhi salatu wa salam, quelqu'un va lui dire, ya Rasulallah, demande à Allah m'aider à payer mes dettes. L'autre, il va dire, ya Rasulallah, demande à Allah de m'aider à me marier, trouver une épouse, etc. Non, lui, il a dit, ya Rasulallah, uridu murafaqataka fil jannah. Je veux être ton compagnon dans le paradis. Je veux juste être avec toi dans le paradis. Quelque chose qui paraît très simple, il est avec le prophète alayhi salatu wasalam, c'est un sahabi dans ce bas monde, alors il veut continuer dans l'au-delà par la suite. Alors tu pourrais dire, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, oh Allah, fais de lui mon compagnon dans le paradis, ça y est, tu es garanti d'être avec moi dans le paradis. Non, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, si tu le veux vraiment, alors tu dois travailler. Fa'a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Il a dit, alors aide-moi à réaliser ton rêve, en quelque sorte, et ton souhait, en multipliant les prosternations, ça veut dire que tu fais plus de bonnes actions pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasjud waqtarib. Quand on se prosterne, on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, la conclusion de cette partie, ce qu'on voulait dire ici, c'est que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un simple héritage. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ce n'est pas comme ça que ça fonction. Tu ne vas pas dire, ah, ça y est, ça, c'est parce que moi, mes parents, etc., ils étaient des religieux, des musulmans, etc. Alhamdulillah, ça ne va pas te sauver, sauf si tu fais des bonnes actions. Et aussi, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une chose qui est garantie. On a tendance à penser que c'est garanti, n'est-ce pas? C'est le dernier de mes soucis à penser, si moi, je suis musulman, etc., etc. On pense que l'islam, c'est pour les autres qui ne sont pas encore convertis, ils doivent découvrir, alors que ce n'est pas là réalité. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire sortir, nous jeter dans la rue et ramener ceux qui sont dans la rue pour qu'ils viennent faire leur salat et être des musulmans, etc., etc. Et on a tendance à regarder et à se rappeler qu'il y a plein de personnes qui se convertissent à l'islam à chaque jour, mais on oublie aussi qu'à chaque jour, il y a des gens qui sortent de l'islam ou l'iyadu billahi ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. C'est un privilège que d'être un musulman et d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une chose que ça y est, tu l'as et tu es garanti en quelque sorte de l'avoir jusqu'au dernier jour. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum wa la yakunu amthalakum. Si vous vous détournez de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener d'autres personnes qui ne seront pas comme vous, qui seront meilleurs que vous. Ça veut dire, on doit toujours se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut,
Wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir. Si Allah subhanahu wa ta'ala il voulait, wal'iyadu billahi ta'ala, il va nous prendre nous tous et tous, et tous ceux qui ont prié salat al-jum'a aujourd'hui. Il va nous mettre tous, Allah subhanahu wa ta'ala, la semaine prochaine, dans les rues le samedi soir en buvant l'alcool, etc. Et ceux qui vont être demain en train de boire de l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala va les ramener la semaine prochaine ici pour l'adorer subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ce, rien n'est garanti tant que tu ne fais pas l'effort pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. Et pour finir, inshallah wa ta'ala, pour finir, en parlant de soumission, on veut corriger aussi un autre concept qui est très important. Quand on dit que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la soumission à Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ça veut implicitement dire aussi que le simple fait de connaître et de reconnaître n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que être musulman, ça veut dire « Ah, ça y est, oui, moi je suis convaincu que Dieu existe. Ah, moi je suis convaincu que le Coran, c'est, oui, c'est vrai, ça vient de Dieu. Je suis convaincu que Muhammad alayhi salatu wasalam, c'est le prophète de Dieu. » Et après ça, quoi? S'arrêter à ce niveau-là ne change en rien ta place auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. La preuve pour ça, la meilleure preuve pour ça, c'est qui? Et ça, c'est un exemple qu'on doit toujours méditer sur cet exemple, subhanallah, parce que c'est vraiment un exemple que si tu penses, c'est vraiment, c'est pas mal choquant, subhanallah. Le pire kafir qui a existé dans cet univers à travers l'histoire, c'est qui? Le pire kafir. Shaitan, Iblis, n'est-ce pas? Est-ce que Iblis, il savait pas? Regardez, Iblis, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « Qala Rabbi bima aghwaytani » Il dit, première chose, « Rabbi », il dit, « Oh mon Seigneur », n'est-ce pas? Il dit, « Oh mon Seigneur », il sait c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui Ar-Rab subhanahu wa ta'ala. « Bima aghwaytani », tu m'as égaré, il sait que c'est, le qadar est entre les mains d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et dans l'autre verset, si on va voir, et si on va lire les différents passage qui nous parle de Iblis dans le Coran al-Karim, on va réaliser comme les savants ils ont dit que Iblis il a reçu le amr d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon qui est directe. Il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pas à travers un prophète, un messager, n'est-ce pas? Iblis il n'a pas allé chercher dans Sahih al-Bukhari pour voir le hadith il est sahih ou bien faible. Il va demander une fatwa à un savant qui va lui dire si vraiment il doit faire telle chose. Non, il a reçu Amr la yaqbalu at-ta'wil. Tu ne peux pas le comprendre d'une autre façon. Il a reçu l'ordre, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a dit de se soumettre à cet ordre-là, de se prosterner à Adam alayhi salam par respect. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Il a dit non, jamais. Je ne vais jamais. C'est complètement illogique pour moi de me prosterner à Bachar, un être humain que tu as créé à partir de l'argile. Et dans l'autre verset, قال أسجد لمن خلقت طينا. Et dans l'autre verset, قال خلقتني من نار وخلقته من طين. Non, tu m'as créé à partir de feu, tu l'as créé à partir d'argile. Iblis, il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé Adam alayhi salam. Mais malgré ça, il dit non. Ça, c'est un ordre que moi, je refuse de me soumettre, n'est-ce pas? Il a refusé l'islam, il a refusé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a fait de lui le plus grand kafir de l'histoire de cet univers, wal'iyadu billahi ta'ala. Donc il faut faire attention à notre compréhension de l'islam, pas comme subhanallah tu trouves de nos jours des gens qui te disent ouais moi je suis musulman. Je suis musulman, oui c'est vrai le Coran, oui ça c'est le livre de Dieu, c'est un livre sacré qui vient de Dieu, etc. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas logiques, n'est-ce pas? C'est des choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais malgré tout ça, je suis musulman. C'est qui n'est pas musulman alors? Si toi, tu es musulman, n'est-ce pas? Et l'autre qui va te dire, subhanallah, vous avez trouvé comme... Il y a quelqu'un, c'est en quelque sorte, soi-disant, penseur comme ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dans certains pays arabes qui te dit « Moi, je suis musulman, etc. » Et si toi, tu lui dis « Comment ça, t'es musulman ?» Il va te dire « Mais toi, c'est quoi? Tu es extrémiste ou quoi ?» Il a écrit un livre. Dans l'idée du livre, il a dit quoi? Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa al-iyadu billah « Zalama harf al-jim » Allah subhanahu wa ta'ala a été injuste envers la lettre « jim » de la langue arabe. Je ne sais pas comment il a fait des recherches dans le Coran al-Karim. Il a dit la lettre « jim » a été traitée injustement par Allah subhanahu wa ta'ala. Kufr bawah, n'est-ce pas? Et l'autre qui dit, wal'iyadu billahi ta'ala, il y a quelqu'un qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala et al-shaytan ne sont que deux faces de la même médaille. Wal'iyadu billahi.
Mais malgré ça, il va te dire, non, non, moi je suis musulman. Et ça, c'est plus poétique, n'est-ce pas? قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit l'autre qui va te dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran ce n'est pas un livre sacré qu'on doit suivre etc c'est un livre symbolique que Dieu il a révélé nous on va le lire c'est plus pour apprendre voir en quelque sorte le style de la langue arabe la beauté etc etc mais l'essence en quelque sorte la signification le message qui est à l'intérieur ce n'est pas un pourtant, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des gens qui n'ont aucune différence entre eux et entre eux. Iblis, c'est exactement la même chose que Iblis, il a fait, il a refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit être très, en quelque sorte, attentif à ce genre de questions-là et à bien comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'apprendre à ceux et celles de notre entourage. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, wa nis'alullah ta'ala, an yahdiyana wa iyyakum sawa as-sabil. Inch'Allah, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de... Est-ce que Iblis était un ange? Parce que dans le Coran, il dit, on a une maladie qui a des yeux d'autres. Et Adam, c'est un ange. Le frère, il dit, est-ce que Iblis, il faisait partie de Al-Malaïka? Les anges, alayhi wa sallam? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim « Illa Iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbihi » Il faisait partie de al-jinn, ça veut dire que ce n'est pas un malak. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le grand savant du tafsir, le cousin du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit « Lam yakun Iblisu min al-jinni tarfata'in » Iblis n'a pas été « Lam yakun Iblisu min al-malaikati tarfata'in » Iblis ne faisait pas partie des anges de al-malaika alayhi sallam, même pas pour un clin d'œil comme ça. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu cette ce privilège en quelque sorte. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim « Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin » On appelle ça « istithna'ul munqata' » une exception qui est non reliée. Ça veut dire parfois tu vas accepter quelque chose qui ne fait pas partie de ce que tu avais mentionné avant ça. Quand par exemple, je veux dire par exemple « Veuillez s'il vous plaît servir » de l'eau à toutes les personnes qui sont dans la mosquée. Ou bien, veuillez, s'il vous plaît, donner un cadeau à tous ceux qui sont dans la mosquée, sauf lui qui est dehors. Vous voyez, c'est une exception qui ne fait pas partie de ce que je suis en train de dire. Mais c'est parce que j'ai vraiment quelque chose contre celui qui est dehors. Je veux m'assurer qu'il n'y a rien qui va partir vers lui. Maintenant, quand, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à al-malaika, mais c'est parce que Iblis était avec l'assemblée de Al-Malaika dans cet instant-là, parce que les savants, ils ont dit que Iblis, il faisait partie au début de Salihi, Al-Jinn, c'était un adorateur, etc. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis dans l'assemblée de Al-Malaika. Et quand Al-Malaika, ils ont reçu l'ordre de se prosterner, min babi awla, ça veut dire de façon plus logique que Iblis, il reçoit le même ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas compris l'ordre, parce que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit explicitement que tu dois te prosterner toi aussi à Adam alayhi salam, wallahu ta'ala ahlam. D'autres questions? Oui, comment discuter ou entamer la discussion avec un non-musulman à propos de l'originalité du Coran? Alors qu'on prétend que le Coran, c'est la parole de Dieu, et c'est difficile à convaincre l'autre partie que c'est vraiment ça a été révélé par Dieu. Ok, très bien. Le frère, il dit comment convaincre, par exemple, une personne qui est chrétienne, un chrétien de l'originalité de Al-Qur'an, Al-Karim, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le convaincre que ça, c'est le livre de Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, il y a plusieurs façons, n'est-ce pas? Il y a plusieurs façons. Comme par exemple, première chose, ça dépend parfois de la culture de la personne elle-même, de ses convictions. Les gens de nos jours, ils aiment la science. Tu vas leur parler des miracles scientifiques, n'est-ce pas? Si quelqu'un, comme lors du temps de l'Arabe, les Arabes, ils étaient très dans leur langue, etc., etc. Ils pouvaient directement reconnaître que ça, ce n'est pas les mots, les paroles d'un être humain, d'une personne qui est normale. Il y a des gens qui sont des législateurs, des gens, un grand juge, un grand avocat, il a passé toute sa vie à étudier la loi, etc. Tu vas lui donner le livre dans le Coran, il va voir l'Ijaz Tashri'i, il va te dire, c'est quoi ce livre? C'est impossible qu'il y a 14 siècles d'entre-temps, il y a une personne qui a pensé à faire toutes ces lois-là qui sont parfaites, qui sont logiques, etc., etc., etc. Il y a aussi le point de vue, du point de vue historique, un peu plus logique, un peu plus simple. Tu vas dire tout simplement aux chrétiens, est-ce que toi, tu crois
croit que la Bible, c'est le livre de Dieu, il va te dire, oui, moi je crois en tant que chrétien que la Bible, c'est le livre de Dieu. Tu vas lui dire, est-ce que tu crois que la Bible a été modifiée, altérée? Il n'a d'autre choix que de dire oui, n'est-ce pas? Parce que c'est la réalité. Même ça, c'est même aujourd'hui, première chose. Même aujourd'hui, il y a plusieurs versions de la Bible. Et même aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas te ramener la Bible dans sa langue qui est original. Ça, on est tous d'accord, il y a certains manuscrits, etc., etc., mais ils ne peuvent pas, il n'y a personne qui va te, en quelque sorte, c'est une réalité avec laquelle tu vas vivre, n'est-ce pas? Tu vas lui dire, écoutez monsieur, ça c'est un livre que nous on dit, ça s'appelle Al-Qur'an Al-Karim, qui est mémorisé des millions de fois plus que la Bible. Même que je ne pense pas qu'il y a une personne sur cette terre-là qui mémorise la Bible du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et qui sait comment la réciter, etc., etc., etc. Première chose. Deuxième chose, dis-lui, regarde, tous ces musulmans-là qui font partie tous de nos jours en tant que pays, malheureusement, c'est presque tous des pays du tiers-monde qui ne réussissent même pas à organiser la moindre des choses, tu vas leur donner, n'est-ce pas? On connaît tous que dans les pays musulmans, tu vas leur donner, tu vas aller au gouvernement, etc., pour chercher un petit papier, ils vont te dire on l'a perdu, n'est-ce pas? Ils ne peuvent rien préserver, n'est-ce pas? Ils ne peuvent même pas s'organiser dans la moindre des choses. Tu vas lui dire maintenant, regarde le contraste, une communauté et une nation qui est mélangée, divisée, etc., sur tout, sauf qu'ils s'entendent, ils ont un seul livre comme ça, il n'y a pas une instance officielle qui le préserve, etc., etc., etc. Les gens le récitent partout dans le monde et ils récitent tous la même chose. Ramène-moi quelqu'un du Bangladesh, de l'Inde, etc., de la Chine, un petit enfant comme ça, ramène-le dans la prière et le imam, il va faire une erreur, il va le corriger directement. Il va lui dire, ah, tu as fait une erreur, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça, ce n'est pas suffisant pour prouver qu'il y a une puissance qui est derrière ça? Est-ce qu'il y a des êtres humains qui peuvent préserver un livre comme ça? Est-ce qu'il y a des êtres humains, une puissance humaine qui peut préserver un livre, le prendre et l'imposer à 1 milliard de personnes et leur dire, tous, vous devez le garder pendant quelques années au moins, sans parler de quelques siècles, sans le modifier. Et tous restez d'accord, même si ce n'est pas votre langue et vous allez savoir comment le réciter, etc. Et tu vas lui dire aussi, ça c'est aussi une réalité pour n'importe quelle personne qui connaît le minimum de l'islam, c'est indiscutable que le livre le plus lu du monde entier, du temps du prophète alayhi salatu wasalam, jusqu'à aujourd'hui, qui détrône tous les best-sellers, etc., 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 c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran al-Karim. C'est suffisant d'aller à n'importe quelle mosquée, juste pendant le mois de Ramadan, le nombre de personnes qui vont lire le Coran al-Karim. Dans tout le monde, ça dépasse tout best-seller qui pourrait passer par ta tête. Tu vas lui dire, est-ce que c'est concevable qu'un être humain va écrire un livre qui va rester un best-seller, des best-sellers comme ça, qui va rester au top pendant des années, des siècles, etc., et les gens, ils le lisent quand même. Ils te disent, ça a été révélé, ça fait 14 siècles. Et ce n'est pas encore démodé. Et les gens le lisent à chaque fois. Ils ne sont pas tannés, n'est-ce pas, comme ils disent. Ils n'ont pas perdu le goût de le lire. Est-ce que ça se peut que ce soit un livre qui soit autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de Dieu? C'est impossible, n'est-ce pas? Et encore plus, tu vas lui dire, si vraiment la Bible vient de Dieu, et que le Coran ne vient pas de Dieu, avec toute la réalité, toute la comparaison qu'on vient de faire, ça veut dire que cet homme-là qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si toi tu crois pas que c'est un prophète, que c'était juste un homme qui a écrit ce livre, ça voudrait dire que Mohammed, ça c'est un homme qui est plus puissant que Dieu, n'est-ce pas? S'il est capable de préserver son message d'une telle façon que même Dieu ne peut pas faire, ça veut dire que cet homme-là, si c'est vraiment lui qui a écrit le message, ça veut dire qu'il est c'est pas un génie, il a des puissances qui sont plus que divines, n'est-ce pas? Parce que ça, bien sûr, c'est selon sa logique. Je parle selon la logique de la personne. Ça veut dire que c'est une question de pure logique. Ce livre-là ne peut être qu'un livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, avec plusieurs autres éléments, bien sûr. Et l'un de ces éléments aussi, c'est la question que ce livre-là soit, en quelque sorte, préservé comme tel du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des orientalistes, par exemple, Mujtashiriqin, ils vont te faire des shubuhat, ils vont te dire, oui, mais le Coran, ils vont faire comme ça des petites recherches dans l'histoire, ils vont te dire, ah, c'est lors du temps de Uthman, radiyallahu anhu, que le Coran a été collecté, c'est pas lors du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, etc. Et tout ça, c'est faux, ce n'est pas aussi simple que ça, on va pas entrer dans les détails, mais on va leur dire, ok, mettons que cet homme-là qui s'appelle Uthman,
radiyallahu anhu, c'est lui qui a écrit le Coran et tout, c'est pas lors du temps du prophète, alayhi salatu wa sallam. Ok. Uthman, radiyallahu anhu, il a vécu juste quelques, il est mort quelques années après le temps du prophète, alayhi salatu wa sallam, n'est-ce pas? Pas plus que 20-30 années au maximum, le temps des khulafa al-rachidin. Maintenant, parle-moi du temps de Uthman jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que ce livre-là a été préservé? Est-ce que c'est concevable qu'un homme qui s'appelle Uthman, un calife, va écrire un livre comme ça et le laisser pendant des siècles, et aussi puissant que ça, il est lu parfois, n'est-ce pas? Ce n'est pas concevable, ça ne peut être qu'un livre de Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Non. Voyez, d'autres questions? C'est une question. Oui, comme on a expliqué, le frère il dit, est-ce que tous les prophètes et les messagers avaient certaines pratiques en quelque sorte qu'ils faisaient comme la prière, somme, etc. Oui, les grandes pratiques ont toutes été les mêmes. Vous voyez, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple, quand il nous parle de as-salat, de la prière, Moussa alayhi salam, il faisait sa prière, comme dans le hadith de l'Isra, quand Moussa alayhi salam, il a dit au prophète alayhi salatu salam, reviens auprès d'Allah et demande-lui de réduire le nombre de prières parce que je l'ai essayé avec Banu Israël, ça n'a pas fonctionné, etc., etc., etc. Le saum, le jeûne, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, n'est-ce pas? Le jeûne a été prescrit sur vous, tout comme il a été prescrit sur les nations qui étaient avant vous, n'est-ce pas? Usulu al-ibadat, n'est-ce pas? Les fondements des bonnes actions, de la ta'a d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont toutes les mêmes. Maintenant, les détails peuvent différer d'un prophète vers un autre, comme le temps de la prière, l'horaire de la prière, le nombre de prières par jour, etc., etc. Ça peut différer d'un prophète à un autre, mais l'idée en tant que telle reste la même, Allah ta'ala. Non. Sahih, sahih. Tous les prophètes, ils ont parlé de as-salat, de az-zakat, n'est-ce pas? Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Tu vas lire dans sourate al-A'raf par exemple, sourate al-Anbiya, tu vas trouver tous les anbiya, les prophètes alayhi salatu wassalam, ils parlent des mêmes choses que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle aujourd'hui, ça veut dire faire le bien, ne pas être injuste, ne pas corrompre sur la terre, ne pas faire telle chose, ne pas faire telle chose. Non. Vous avez le carême des vrais chrétiens, surtout pendant 30 jours, par exemple, sur la durée du mois de Ramadan, je trouve ça très très curieux. Je me demande comment, quelle est la porte de l'air. Toujours on évoque la question de la foi, de tout ça. Non. Et ça veut dire, ça rejoint le point, la question du frère tout à l'heure. Ça veut dire, si tu veux, ça c'est un autre point pour prouver que ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Quand tu vas voir le jeûne, par exemple, quand les gens ils jeûnent pendant 30 jours comme ça, des millions de personnes qui peuvent jeûner, etc., même lors de l'été, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est indiscutable encore une fois, c'est une question de réalité, n'est-ce pas? C'est une question de, c'est même pas, même sans parler de, on est en train de parler de faits ici, que personne ne peut débattre. Avec un peu de recherche, tu peux être convaincu de ça, que la religion la plus pratiquée dans le monde et la plus pratique, c'est l'islam, de loin, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une religion qui a du sens, n'est-ce pas? C'est une religion, quand tu parles de quelque chose qui est pratique, regardez, si on va donner un petit exemple. Dans le marché, si tu vois un produit qui fonctionne, les gens l'achètent beaucoup, ça veut dire que c'est un produit pratique, n'est-ce pas? Ça ramène quelque chose aux gens, n'est-ce pas? C'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose dont les gens, ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils sont convaincus de venir. Sinon, pourquoi est-ce que si tu vas voir dans toutes les dorul ibadat, ça veut dire les églises, etc., etc., dans tout le monde, tu vas voir que ça fonctionne parfois. Il y a des rites, il y a certaines cérémonies, etc. Mais tu vas voir les mosquées, la seule exception, c'est al-masajid, qui sont les places en quelque sorte des musulmans, là où les musulmans ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est
24 heures par 24 à travers le monde. Donc, là où tu vas, qu'ils soient aux États-Unis, comme en Inde, comme en Chine, comme en Afrique, etc., les gens, à chaque fois, ils ont leur mosquée, ils ouvrent 5 fois par jour, ils vont faire la prière le matin, ils prient le soir, n'est-ce pas? Ça fonctionne de façon qui est constante, n'est-ce pas? C'est comme une organisation qui fonctionne de façon qui est... Si on va voir juste une petite organisation, une petite organisation comme ça qui va... Il va ouvrir pour un petit produit, un petit service. Regardez à travers l'histoire, il n'y a pas une compagnie qui va durer plus d'un siècle et demi, deux siècles au maximum. Après ça, elle fait faillite, elle tombe, une autre compagnie, elle vient, etc. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là de pousser ta culture, tes valeurs, tes idées pour toujours. Mais la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle a été là et elle est là et elle continue de l'être indépendamment des contextes. Wallahu ta'ala. أعلى وأعلم إن شاء الله تعالى أن لس له غس pour la prochaine séance pour prier صلاة العشاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت